Ces derniers jours, son nom figure dans de nombreux titres de presse. Pendant des années, Laurence Favalelli a fait partie de l'entourage du couple Hallyday, puisqu'elle travaillait pour l'image des deux tourtereaux, de 2012 à 2018. Puis, à partir de 2015, pendant les trois dernières années, Laurence Favalelli a uniquement travaillé comme agent artistique de Laetitia Hallyday, jusqu'à un jour cesser cette collaboration, puisqu'elle accuse la veuve du taulier de nombreuses humiliations. Son expérience, Laurence Favalelli l'a partagée dans un livre qui s'intitule Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, aux éditions Michel Lafon, disponible jeudi 28 novembre en librairie. Pour la sortie de son ouvrage, Laurence Favalelli a accordé une interview au Figaro, jeudi 28 novembre. Dans son entretien sans filtre, l'ex-agent s'est notamment confié sur le décès de Johnny Hallyday, survenu le 5 décembre 2017. Les journalistes du Figaro ont tenu à demander quelles conséquences la mort de leur père, et plus spécifiquement sur la bataille autour de son héritage, vont avoir sur ses deux filles, Jade et Joy, respectivement âgées de 15 et 11 ans. Laetitia a une chance folle d'avoir deux filles intelligentes, sociables et polies, a répondu Laurence Favalelli. La version de Laura, David et des amis de Johnny Hallyday puis, l'ancien agent artistique s'est demandé, dans les conditions actuelles, avec une mère qui n'est jamais spontanée, comment vont-elles réussir à se construire normalement? Et de poursuivre, si y est-il une question. Elles ont tout entendu, tout vu mais à la maison, rien n'a jamais été débriefé ou reverbalisé. Une fois majeures, elles voudront sûrement se rapprocher de Laura, David et des amis de Johnny Hallyday pour entendre parler de leur père. La version de leur mère ne leur suffira pas. Il faudra encore attendre 3 ans pour Jade, et 7 ans pour Joy, pour que les deux adolescentes atteignent leur majorité respective.